Et coucou, bienvenue sur la chaîne, regarde un peu ce beau paysage. Alors il a plu cette nuit, il a plu ce matin. Donc on peut voir que c'est désert. Hein. La plage après la pluie, c'est super dangereux, c'est bien connu. Et puis... La rivière chez nous, elle coule, mais vraiment un tout petit peu. Un petit filet, donc pas possible de s'y baigner. Ça fait au moins 2 mois qu'on n'a pas d'eau dans la rivière. Et qu'on n'a pas d'eau dans les rivières, même si on les remonte, il n'y a pas d'eau en fait. Voilà. Donc là, il y a plein d'eau. Niveau de la mer, des océans, de tous ces liquides qu'il y a sur cette terre, ben voilà. On a de l'eau. Donc petit bain de 20-25 minutes. Pour se détendre, moi, l'eau froide, enfin l'eau tout court. Qu'elle soit chaude ou froide, c'est pas un souci pour moi en fait. Hein. Mais bah, ça m'apporte de la détente. C'est super beau les endroits au fond là. Je sais pas si tu vois. Il y a des endroits à l'ombre et des endroits au soleil. Et hier ça faisait pareil, mais sur la plage il y avait. Un mètre où tu es à l'ombre et un mètre à côté où tu es au soleil. Et ça c'est vachement marrant, je trouve. Donc la mer est d'huile depuis plusieurs jours et c'est super agréable. Elle est bonne. Mais ça, c'est tout à chacun de savoir si elle est bonne ou pas. C'est pas à moi de le dire. C'est surtout ce côté paisible et tranquille. Dans lequel je vais me plonger. C'est beau tout ça. Quelle belle vue. Thank you.
merci à ces beaux instants de vie. Merci cette vue merveilleuse. La plage est vide. L'eau est super bonne.